bien, salut les amis, c'est Laurie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la map de GTA. C'est parti. Alors vous aurez peut-être vite remarqué que j'ai rajouté quelques petits éléments de mon décor, comme ici, DIY ou petit YouTube, ou encore ce petit présentoir objet, en fait d'objets que je n'ai jamais tourné et que je ne ferai jamais en vidéo, mais que je compte quand même à vous montrer, comme mes figurines Clash Royale. Voilà, donc je peux très bien mettre ça sur le petit présentoir qui est juste ici. Et vous savez quoi, je vais le mettre là, maintenant. Je trouve qu'il a la classe, ce petit électro-sorcier. Donc bien sûr j'ai toujours mes cosplays qui sont ici, que d'ailleurs ça sortira en plein dans la prochaine vidéo. Mais je crois que j'ai mal cadré, parce que normalement on est censé voir ça. C'est encore un nouveau cosplay qui va sortir dans pas longtemps. Donc dans cet épisode en fait ce qu'on va faire c'est la forme globale de la maquette. Et ensuite ça donnera plus ou moins ce que ressemble la map de GTA. J'avais commencé cet épisode dans mon jardin, tout simplement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça. Je suis désolé pour ce désagrément. Et on se retrouve justement dans mon jardin, voilà. Donc là, je suis dans mon jardin, c'est exceptionnel parce que je dois avoir en même temps l'écran devant moi qui est juste là. Et en même temps, être extérieur vu qu'on va devoir utiliser une soudeuse. Ouais, en gros, tais-toi, ce sera mieux. Parce que je n'ai ni besoin de la télévision, ni de la soudeuse pour faire mon travail. Donc j'aurais très bien pu filmer ce passage à l'intérieur, bien au calme. Et pas avec un jardin comme ça en arrière-plan. En fait, ce que je vais juste faire ici, c'est juste le contour de la carte. Rien de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des feuilles de papier. Je vais commencer à dessiner le contour de la carte. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à poinçonner avec un compas, vraiment faire tout le contour. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. On pourrit vu qu'on est extérieur. Donc ici en fait j'avais déjà fait une montagne en hors caméra. Enfin en fait j'avais filmé, mais vu que c'était avec mon bandage, je voulais pas trop montrer ça. Donc j'ai préféré couper quand même, c'est mieux. Et du coup je vais juste montrer comment faire une montagne parce que j'en ai fait plein d'autres mais ça prend pas mal de temps. De toute façon je crois pas que c'est ce qui vous intéresse le plus dans la maquette. Donc je vous montre juste comment j'en ai fait une et puis après je couperai en hors caméra, je ferai toutes les autres. Donc ici je place tout simplement les différentes montagnes que j'ai fait. Vous en reconnaissez peut-être certaines si vous êtes connaisseur du jeu, comme le mont Chiliad par exemple, qui est la plus grande montagne du jeu, ou encore les monts Tataviam avec le lac et le barrage au milieu. Donc là ce que je fais tout simplement c'est que je poinçonne autour de toutes les montagnes, comme ça je peux enlever la carte sans problème et pouvoir coller sur le papier qui est en dessous. Voilà, donc maintenant qu'on a fini la partie avec le frigolite et tout, maintenant on va commencer à couler du plâtre sur la maquette. Et donc ici j'utilise du plâtre Knauf, tout simplement, que je verse dans un récipient. Ensuite je mélange avec de l'eau et ça donne du bon plâtre bien solide, prêt à être coulé sur la maquette. Donc voilà, donc ici j'ai commencé par le plus facile, c'est-à-dire la ville, donc c'est en fait tout plat. Il y a certains endroits où je vais devoir rectifier par la suite. Donc pour l'instant c'est vraiment super simple. Si vous avez l'habitude de tartiner votre tartine le matin avec du Nutella, bah c'est la même chose. Voilà, en fait, quand je coule le plâtre sur la maquette, bah c'est exactement la même chose. Ça demande pas une énorme précision, mais il faut quand même pas trop dépasser sur les bords. Bien évidemment, je vous ai pas tout montré parce que en hors cam, ça m'a duré 2 semaines vraiment à tout remplir en plâtre, tout simplement. Et puis, je crois pas que ça vous intéresse énormément de voir quelqu'un en train de tartiner une maquette comme ça. Ouais, j'aime ma vie, vraiment. Vraiment.
Donc voilà l'étape suivante, je vais fixer la maquette à la planche en bois. Et pour ça en fait je fore avec un outil Fimo. Et ensuite je plante des clous dans la maquette directement. Il fallait s'en douter, le marteau et le plâtre, ça fait pas bon ménage. Donc maintenant, pour cacher mes erreurs et surtout pour cacher les clous, je replace du plâtre fort liquide au-dessus. Et ça fait l'affaire, on voit plus du tout les clous. Et voilà à quoi ressemble la maquette une fois terminée. Bon, j'avoue, c'est pas magnifique pour le moment, mais on peut déjà voir à quoi ça va plus ou moins ressembler. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur la maquette de GTA. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo un maximum. Ainsi qu'à t'abonner, c'est super important. Et activer la notif, sinon ça sert à rien. Et donc moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je ferai ce cosplay, voilà, le sniper de Fortnite. Et donc moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Loro.